un col porteur de rêves. Je vous embarque dans mes brèves, parfois tendresse ou bien coquin. C'est ma nature, je n'y dis rien. Parfois tendresse ou bien coquin. Je mets du bonheur sur les chemins. Une minette comme Tintin, une silhouette de Dindjaladin. Allure canaille, regard coquin, tout l'attirail du beau tentin qui distribue à la volée, sans retenue, tous ses couplets. Je suis un colporteur de rêves. Je vous embarque dans mes brèves, parfois tendresse ou bien coquin. C'est ma nature, je n'y puis rien. Parfois tendresse ou bien coquin. Je mets du bonheur sur le chemin. J'ai plein de peau dans ma besace et des gros mots qui me dépassent. Il y a des poèmes dans le programme et des je t'aime pour vous, mesdames, et puis des rires à profusion dans mes lignes de polisson. Je suis très très heureux d'être avec vous cet après-midi et je voudrais simplement, si vous en avez envie, vous faire partager juste un peu de mes rêves. Je suis un colporteur de rêves. S'embarque dans mes brèves, parfois tendresse ou bien coquin. C'est ma nature, je n'y puis rien. Parfois tendresse ou bien coquin. Je mets du bonheur sur le chemin. J'aime la vie avec ardeur. J'ai plein d'envie, même que ce soit l'heure. Même s'il m'arrive de temps en temps dans la dérive d'être prudent, je mets du soleil dans mes chansons que je vous offre sans condition. Parce que je suis un colporteur de rêves. Je vous embarque dans mes brèves, parfois tendresse ou bien coquin. C'est ma nature, je n'y puis rien. Parfois tendresse ou bien coquin. Je mets du soleil sur le chemin. Ah ! Bonjour à tous. Est-ce que vous allez bien ? On n'entend rien du tout. On a l'impression de retrouver le cœur des enfants de Marie, là. Hein ? Et en plus, on entend, comme d'habitude, beaucoup plus les dames que les messieurs. Ils sont où, les mecs ? Hein ? Ils sont pas venus cet après-midi? Alors les mecs, ils pipipent? Ouais! Et les femmes toutes seules, ils pipipent? Ouais! Voilà pourquoi on a perdu la guerre, messieurs! Alors je suis très heureux d'être avec vous cet après-midi, comme je vous disais tout à l'heure, pour Audrey, bien entendu. Alors n'hésitez pas à les consommer, à les consommer, à les consommer, parce qu'on a besoin de pognon! Il faut pas le cacher, c'est l'argent, le nerf de la guerre. Et pour Audrey, on en a besoin. Alors, je vais tenter de ramener mon matériel auprès de vous. Voilà, 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 voilà. Alors, je suis venu cet après-midi avec ma grand-mère qui s'appelle Mamie Fernande. Est-ce que des gens connaissent Mamie Fernande? Qui a déjà vu Mamie Fernande dans la salle? Oui, oui, là-bas au fond, je connais, oui. Alors, tiens, à propos de Mamie Fernande, je voulais vous raconter une petite histoire, si vous voulez bien. Est-ce que vous aimez les histoires coquines? Qui ont trait avec Mamie Fernande, d'ailleurs, hein? Alors les enfants, vous bouchez les oreilles, hein? Alors ça se passe, c'est une grand-mère et sa petite-fille, c'est une petite fille qui va voir sa grand-mère, qui dit à sa mamie, « Mamie, mamie, mamie !» Oui, qu'est-ce qui arrive? Mon petit copain, il dit que ma zézette, ça s'appelle un petit lapin, un lapinou. Oh, mais c'est joli ça, ma petite-fille. C'est joli un lapinou, hein? Hein? Alors, maintenant tu vas jouer. La petite-fille revient quelques instants après, elle dit à sa grand-mère, « Mamie, mamie, mamie !» Est-ce que tu veux voir mon lapinou? Ah non, ma petite fille, une grand-mère ne regarde pas le lapinou de sa petite fille, ça ne se fait pas. Allez, mamie! Alors elle est tellement chiante que la mamie dit, bon, tu montres ton lapinou, après on n'en parle plus. Donc la petite fille lève sa jupette et montre son le petit lapinou à sa mamie.
et mamie de dire « Ah oui, il est beau ton lapinou, maintenant tu vas jouer !» La petite fille revient quelques instants vers sa grand-mère et dit « Mamie, tu me montres ton lapinou ?» « Ah non, ma petite fille, la grand-mère ne montre pas le lapinou à sa petite fille, ça ne se fait pas. » »« Ça se fait pas, hein, t'es d'accord, hein ?»« Allez, mamie !» Alors elle est tellement chiante, la petite fille, que la grand-mère dit « Bon, je vais te montrer mon lapinou, mais après on n'en parle plus. Ok ? Ok !» Alors la grand-mère lève sa jupe et montre son lapinou à sa petite fille. Et sa petite fille de lui dire « Pas, mamie ! Qu'est-ce qu'il est moche, ton lapinou !» Et la grand-mère un peu vexée de dire à sa petite fille, « Ma petite fille, quand ton lapinou aura mangé autant de carottes que le mien, on en parlera !» Mamie Fernande, envoie la musique si tu veux.